Yo, salut à tous, connaissez mes amis, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, bien sûr. Vous connaissez les bails, Ouloulou, ici c'est Monsieur Voodoo. Yo les amis, aujourd'hui c'est un grand jour. Je vais vous parler de mon morceau préféré de Surnaturel, bien sûr, de l'album Surnaturel, le morceau de Rof. Dr. Dre, motherfucking bitch, man. Ça c'est. Hey. Franchement, j'ai kiffé l'album du début à la fin. Mais Dr. Dre, c'est mon préféré, les amis. Chacun son coup de cœur. Moi, Dr. Dre, c'est mon coup de cœur. Franchement, il est arrivé en mode self, en mode énervé, comme Jaja. Franchement, voilà. De toute façon, je vous ai prévenu, les gars, que je vais faire des vidéos, tout. Genre, chaque morceau, je vais essayer de voilà, donner mon avis. Moi, je donne mon avis, c'est plus que mon avis, là. Parce que c'est mon kiff, c'est mon coup de cœur. Franchement, non, Dr. Dre, il a fait tout ça. Il a fait du sale MC, bro. Ah ouais, il a tout démonté. Là, voilà, je suis direction de mon taf, au calme. Il est tard, et comme d'habitude, vers les 3h du mat. Et voilà. Vas-y, je vous dis dans quelques minutes, les amis. Aïe, aïe, aïe. Eh, rien que l'instru, ça commence bien, les amis. Ha. T'inquiète pas, ça va revenir. Ça va revenir. FTP qui indique que j'étais fini. Ah les gars, je suis vraiment désolé. C'est mon coup de cœur, les amis. Putain. Ah, il pose en mode rica, les amis. C'est-à-dire, voilà, il pose comme les Américains. Pour dire qu'il a rien. Eh, franchement, les changements de flow. Eh, il a tout ce qu'il faut, les gars. Il peut changer son flow à n'importe quel moment, les gars. À n'importe quel instru. Voilà. Elle et moi, dites-moi, les gars, dites-moi, quel mec peut faire ce genre de délire? C'est qui ça? Qui peut faire ça? Qui peut rivaliser avec Rof? Genre, voilà, changer de flow, changer. Non. Eh, son album là, Surnaturel là, les amis, celui-là là, il y a tout dedans, il y a pour tout le monde. Il n'a pas choisi, il n'a pas genre d'anani, il a fait pour tout le monde, il a fait pour la street, il a fait pour les femmes, il a fait pour les leveurs. Hein, il a fait pour tout le monde en fait, les amis. Et c'est ça que je kiffe chez lui. Parce que voilà, il est pas égoïste en fait, le mec. Il pense à tout le monde. Ah gros, moi j'ai kiffé son délire. J'ai kiffé, voilà, je vous jure, les mecs. Ah, j'ai kiffé le morceau Dr. Dre, motherfucking bitch. Non, c'est vrai, tous ces morceaux, hein, franchement, tous ces morceaux, ces 30 morceaux là, les 30 titres. Tu vois, les 30 titres qu'il a fait là. Oh là 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 là. What the fucking bitch. Franchement, j'ai kiffé. Mais Dr. Dre, encore bien, les amis. Eh, hey, qui peut faire ça? Qui peut rivaliser? Hein? Comme il a dit, il n'a pas le temps. Il donne même pas l'heure, frère. Il n'a pas le temps. Il est loin. West Coast, motherfucking bitch. Il n'y a que les vrais pour connaître ça, les amis. Ah ouais. À l'époque des Snoopy Doggy Doggy. Big up à toi, monsieur Vanta. Mon frérot, Vanta. Lui, il a tout dit. Franchement, j'ai regardé ses chroniques, les gars. N'hésitez pas à aller voir ses chroniques, hein, monsieur Vanta. Ah, c'est un bon. Ah, il dit tout, franchement, il dit la vérité. Il y a pas mieux que lui. C'est le seul qui est là qui dit la vérité. Lui, il y a aussi, comment il s'appelle, Tonton Marcel. On dirait du terre-terre. Franchement, ça, c'est des gens que j'apprécie, c'est des gens que je respecte. Parce que quand ils donnent leur avis, quand ils font des chroniques, franchement, respect. C'est pas mythologie. Hein. Non, tout ce qu'ils sont en train de noter, machin et tout, c'est un truc, genre, voilà, c'est véridique. C'est pas, il fait pas semblant. Ah, ils sont pas en train de faire semblant, ces gens-là. Franchement, respect à eux. Bon, les gars, on va apprécier ces leçons. Je vous dis dans quelques minutes, les gars. Ah, Kilimilati veut l'éliminer. Ah, Kilimilati veut l'éliminer, mon frère. Mais vas-y, c'est moi, mon gars. Lui-même, il est là. Il a dénigré les gens, a donné des surnoms aux gens. Mais vas-y, le mec. Eh, c'est bon, bref, on n'est pas là pour clasher. On n'est pas là pour clasher, on est là pour s'ambiancer, pour donner notre avis, les amis. Il a fait du lourd, il a fait son taf. Respectez-le. Ah les gars, je suis vraiment désolé, je suis tellement content. Non, franchement, non, il a fait du sale, les amis. Eh, faut... De toute façon, vous reconnaissez. Eh, vous avez reconnu le taf, les gars. Vous avez reconnu le talent. Eh, il est là, il fait pas semblant. Son talent, il l'a pas volé, frère. Eh oui, frère, son talent, il l'a pas chié. Il est pas parti aux toilettes, il a posé un truc et dire voilà, tiens, il faisait sortir. Non, il nous a pas sorti un album comme ça, les amis. Ah, le mec, il a pris tout son temps, il a bien travaillé. Ah, comme donc voilà, il faut respecter son album comme ici dans les amis. Ah ouais.
Ah ouais, il a dit Illuminati. Non, en fait, il a pas dit Illuminati. Il a dit je sais pas quoi. Ouais, un truc. Bref. Aïe, aïe, aïe. Bon, les gars. Vas-y, on va écouter encore. C'est pas fini. Non, les gars. Hey. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Dr. Dre, man. Hey. Le morceau Dr. Dre, poto. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Parmi tous les morceaux, il a fait du sale. Mais là, il a fait encore plus du sale, là, frère. Là, il a. C'est plus que la saleté, là, ce qu'il a fait. Il a fait dingue, frère. Hey, moi, je kiffe tout. Il n'y a rien à dire, je kiffe tout. Et je ne vais pas vous mentir. Franchement, c'est l'album. C'est l'album que franchement j'attendais. Hein. Et là, ce qu'il a fait, il est là. Il nous a régalé comme jamais. Il a fait le taf comme jamais. Moi, je m'ambiance tout seul le matin avant d'aller au taf. Hein. Même quand je sors du taf, c'est pareil, je m'ambiance. Parce que voilà, on est tranquille, frère. Aïe, aïe, aïe. Toi qui me regardes, là. Ouais, ouais, toi là. Hein. Dis-moi, qu'est-ce que t'en penses, sérieusement? C'est justifié ou pas, Dr. Dre? Hein, c'est justifié ou pas, les gars? Hein? Toi qui me regardes, oublie pas, surtout, oublie pas, mets ton like, s'il te plaît. Abonne-toi aussi en même temps. Eh, la famille, franchement, il a fait le taf ou il a pas fait le taf? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, perso, je trouve qu'il a fait le taf. C'est pas je trouve, je valide même qu'il a fait le taf. Là, les rageux, là, mon gars, il y a plein de gens qui vont changer leur veste si c'est pas déjà fait. Hein, ça se trouve, c'est déjà fait, les amis. Mais bon, les gars, vas-y, c'est pas fini, franchement, c'est pas fini. Jusqu'à que j'arrive à mon taf, on va continuer, ne vous inquiétez pas les amis, on va écouter encore quelques extraits. Donc vas-y, encore, je suis désolé pour les pauses, hein, parce que c'est juste justement pour éviter le droit d'auteur. Parce que son mort, l'album il vient de sortir, c'est normal. Et en général, Rof, il joue pas le crevard. Hein. J'ai fait plein de vidéos de lui, et je vous jure, où je mettais carrément des morceaux complets, du début à la fin, il n'a jamais été strike. Mais là, comme c'est comme un nouvel album, franchement, faut qu'on respecte. C'est normal, il n'a pas encore, goûté quoi. Moi, quand j'écoute Dr. Dre, poto, c'est l'album, il est putain. Oh loulou. Ah les gars, moi je donne mon avis les gars. Moi j'ai kiffé l'album, j'ai kiffé le morceau Dr. Dre, j'ai kiffé tous les morceaux poto. Mais Dr. Dre, c'est mon bébé à moi. C'est mon bébé, les amis. Ok, vas-y, c'est pas fini, j'arrive. Et là, c'est quoi? Il change son flow, les amis. Il va changer encore un flow de malade. Vas-y. Oh, les gars, le changement de flow. Qu'est-ce que je peux dire de plus, les amis? Qu'est-ce que je peux dire de plus? Toi, là, s'il te plaît, valide, putain. Tu parles le contraire, viens pas dire oui, nanani, on aurait bien voulu qu'il fasse mieux, machin et tout. Non! Il peut pas faire mieux que ça, les amis. Il peut pas. Il a tout donné. Là. Bon, ouais. Le temps, il est bizarre, les amis. Faut pas que je me trompe de chemin. Ah, ouais, ouais. Ah, ouais. Non, il a fait du sale. On peut pas. Mais on peut pas nier, les gars. Franchement, je vais pas vous mentir. Hein. On peut pas nier. Il a fait le taf. Il faut les mecs arrêter de dire ouais, il aurait pu, il pouvait faire mieux que ça, nanani nanana. Non. Oh merde, je suis pas sorti. Je suis parti où là? What the fuck? Je vois rien les gars, je vous jure, je me suis trompé de chemin. je me suis trompé de route. Je me suis trompé de route, les amis, je crois. Vas-y, c'est pas grave, on va sortir ici. Hein. Qui sait? On est où, là? On va faire demi-tour au pire de cas. Oh my god. Je vois rien, je vous jure, je vois rien. Bref, les gars. Non, il a fait du sale. Allez, c'est parti, encore un petit truc. De toute façon, je m'en fous, je me suis trompé de route. Hagra. Bagara. Il sort, mais il est en solo.
Ah, il est en solo, les amis. Putain, je suis désolé, j'ai fait 10 minutes, mais bon, tranquille, au calme, il y a air. De toute façon, je me suis trompé de chemin. Ouais, non, franchement, non. Ah ouais, mais là, je me suis trompé de route, là, les amis. Je sais pas comment. Vas-y, je vais me rattraper, je vais être en retard à cause de ça. Bref, les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. C'était Monsieur Voodoo. Bon, les gars, je vous dis ciao, les gars. Allez, big up à tout le monde. Hagra, hagra, parti, les amis. Oulou.